Pourquoi un échange s'est posé la question de l'apprentissage de la langue étrangère. Alors à quoi cela sert-il d'apprendre une langue? Eh bien, ça sert avant tout à communiquer, à rencontrer l'autre, à rencontrer sa culture, à échanger. Et donc les échanges scolaires sont l'occasion de découvrir l'autre, de découvrir sa culture, sa langue, d'entrer en contact avec lui, de s'enrichir de ce contact et de l'enrichir aussi en retour. Donc avant de partir, j'en avais parlé avec mes amis qui faisaient aussi un échange. On était excités, on avait beaucoup d'adrénaline. En même temps, on avait peur que quand on arrive là-bas, on ne soit pas intégré dans la famille. Bien sûr, j'avais peur de ne pas savoir parler allemand, qu'ils ne me comprennent pas. Mais en même temps, j'avais parlé avec Susanna. Elle était déjà venue en Suisse. Donc j'avais bien vu qu'elle parlait super bien le français et du coup on arrivait tout de suite à se comprendre. Et on avait beaucoup parlé par WhatsApp aussi, au début par mail et puis après on s'est rendu compte qu'on avait plein de choses à se dire. On a partagé ce qu'on aimait faire, ce qu'on aimait moins faire et puis on s'est rendu compte qu'on avait vraiment beaucoup de similarités et du coup ça m'a beaucoup rassurée. Je suis partie de chez moi, j'avais ma valise, donc une grosse valise, hein, parce que moi j'avais peur de manquer de plein de trucs, du coup j'ai dû prendre toute mon armoire. J'avais l'habitude de ne pas être avec mes parents, c'est pas ça qui me stressait, c'était vraiment d'arriver dans un endroit où je vais devoir parler une autre langue que ma langue maternelle. Donc voilà, on était ensemble avec une de mes amies, donc on est entré dans le train, on a posé nos affaires, j'ai dit au revoir à ma maman, on était un peu sous l'émotion. Et donc on est allé sympathiser avec des gens avec qui on s'est super bien entendu. Et au bout d'un moment, on entend que en fait les noms ils sont plus en français, mais en allemand. Et on était hyper stressés, on était voilà ça y est, là les affiches sur les quais, elles sont en allemand, tout le monde parle en allemand. Donc on était vraiment un peu stressés, on essayait de se rassurer, de se détendre, voilà. Et on est arrivé sur le quai, puis descendu du train. Et là en fait j'ai tout de suite reconnu ma correspondante puisque je l'avais déjà vue. On s'est fait un câlin, on était contentes de se voir. Et puis Susanna, elle était avec une de ses amies qui avait aussi une correspondante. Donc j'ai tout de suite vu avec qui j'allais passer mon temps. Et voilà, je me suis dit c'est génial, ce voyage va vraiment être super cool, j'ai rencontré plein de gens. On a pris la voiture, on est arrivé chez elle et je suis arrivée devant la grande maison, j'étais là waouh. Voilà, moi je vis dans un appartement du coup c'était un petit peu vraiment différent. Et je suis arrivée dans la chambre et puis comme quand Susanna elle était venue chez moi, je partageais le même lit que Susanna. Je me suis dit, chouette, si on est dans le même lit, on va pouvoir se raconter plein d'histoires le soir et c'était trop cool. Et c'est ce qui est arrivé parce que le soir, on n'a même pas beaucoup dormi puisqu'on a tellement parlé de ce qui allait se passer et tout ça. Au bout d'un moment, elle a dû se coucher quand même parce qu'elle avait l'école le lendemain. Et ça m'a vraiment ramené à la réalité. Je me suis dit, ah ouais, il y a l'école le lendemain, mais comment je vais faire? Et voilà. Les écoles partenaires sont des écoles connues avec lesquelles nous sommes en contact depuis de nombreuses années, des écoles de bonne réputation. Pour les élèves qui participent à un échange sur temps scolaire de leurs correspondants, c'est aussi la possibilité de découvrir un autre système scolaire, une autre manière de travailler, une autre culture. Et ça, c'est extrêmement important. Alors c'est vrai qu'en arrivant à l'école en Allemagne, j'ai tout de suite remarqué qu'il y avait beaucoup de différences avec l'école en Suisse. J'avais une petite appréhension, une petite peur d'inconnu, de ne pas savoir comment ça allait se passer.
J'allais comprendre ce qu'ils allaient dire. Mais les copains ont direct été très sympas, ils m'ont tout de suite mis à l'aise. J'ai pu tout de suite prendre mes marques. En Allemagne, ils sont un peu plus soudés. On participe plus aux cours, on interagit. On a fait, par exemple, on était debout en cours. On devait marcher dans la classe, rencontrer des autres personnes. Beaucoup d'échanges. On a le droit de boire et manger en cours, ça c'est super. On peut se lever tout seul, on est plus libre. On peut aller prendre un mouchoir, alors qu'en Suisse, on doit avoir l'autorisation du prof. La gym, beaucoup de plaisir. J'étais vraiment immergée dans la classe. C'était vraiment super. Les horaires aussi, ça c'est vraiment différent. On finit à 1h en Allemagne, alors qu'en Suisse, on finit à 4h. Donc en Allemagne, on a le temps de faire notre activité sportive ou culturelle après. Et j'ai aussi, grâce à ça, pu passer beaucoup de temps avec mon correspondant et la famille. Heureusement, les organisateurs ont très bien choisi mon correspondant. On avait exactement le même point commun, en l'occurrence le foot. Du coup, l'après-midi, j'ai pu aller avec lui dans son entraînement de foot. C'était super. À la maison, on jouait au baby-foot, à FIFA. Et dans la rue, on jouait aussi avec les voisins. Malheureusement, il était pour Dortmund et moi pour Bayern, mais c'était la seule chose. J'ai pu passer beaucoup de temps avec la famille aussi. On avait visité des châteaux, des musées et aussi l'orangerie. C'est un endroit où il y a un planétarium et beaucoup d'objets scientifiques pour l'espace et tout ça, c'était vraiment intéressant. Après avoir fait une activité culturelle ou sportive, on revenait à la maison, on préparait le repas du soir tous ensemble, on mangeait ensemble, on passait un bon moment. Donc après le repas, on regardait la télé tous ensemble, où on faisait un jeu de société, et cela m'a permis beaucoup d'apprendre la langue et de mieux la parler. Comme j'étais dans l'âge de Adrian, j'en ai fait un échange avec la France. J'étais en Normandie et je me rappelle que c'était une super expérience pour moi. Et maintenant, comme je suis père et j'ai vu les deux garçons qui ont fait l'échange Adrian et Guillaume maintenant, on a bien compris que pour nous, c'est plus qu'un échange scolaire, mais c'est vraiment que toute la famille, elle apprend beaucoup de choses de cet échange-là et on a presque eu une troisième enfant pour ce temps-là dans la famille. Et je peux dire à tout le monde qui peut-être a un petit peur et pense sur les trucs qu'ils doivent préparer ou quelque autre chose, c'est pas grand-chose. Vous savez, juste un enfant en plus, un plat en plus le soir à table. Et toutes les autres choses qui se passent, c'est un cadeau. Vous apprenez beaucoup de choses sur des autres personnes, sur un autre pays. Et pour moi, ça m'a... Je ne sais pas comment dire, ça m'a ouvert le cœur pour le faire plus souvent. Et je suis déjà pense sur la prochaine fois qu'on peut faire ça. Et pour moi, c'était une deuxième fois, une super expérience. Et je suis très très contente qu'Adrien il a fait son échange avec Guillaume. Moi, je conseille de faire cet échange parce que ça permet vraiment de créer des liens et c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment super parce que ça a permis de rencontrer plein de gens, de sociabiliser, aussi de développer aussi un peu son ouverture d'esprit. Et puis quand je dois parler en allemand, je me lance, je me dis qu'on ne me pose plus trop de questions. Et puis ça a vraiment un peu augmenté ma confiance en moi vis-à-vis de comment je parlais en allemand. Alors si je devais garder une chose ou un souvenir de cet échange, ce serait la vraie amitié que j'ai créée avec Adrian. Malgré la barrière de la langue, on a tous été très complices, on a passé de super bons moments ensemble. On est toujours en contact, malgré la distance. On envisage peut-être de refaire l'année prochaine une deuxième fois l'échange. Et grâce à ça, j'envisage de faire au gymnase la maturité bilingue pour passer une année entière en Allemagne et apprendre encore mieux la langue. Si je devais conseiller à quelqu'un de faire l'échange, évidemment que je le conseillerais parce que c'est vraiment une super chose. J'ai pu beaucoup mieux apprendre l'allemand. J'ai pu apprendre aussi sur moi-même, connaître beaucoup de nouvelles personnes, de nouvelles cultures. Et c'est vraiment quelque chose de super, donc je conseillerais évidemment. Il y a bien entendu un bénéfice pour l'élève qui a participé à cet échange, qui est celui d'avoir eu l'occasion de grandir, l'occasion de sortir de chez lui, l'occasion de s'adapter à une autre culture, de découvrir un peu plus le monde qui l'entoure. Et pour les parents, c'est aussi l'occasion de grandir, l'occasion de laisser partir leur enfant, de lui faire confiance,
de le laisser aller à la découverte de ce monde.